j'ai été capable de prendre du temps déjà pour moi, parce que tu sais, quand tu t'égares, quand tu es dans un rythme infernal, tu t'en rends pas compte. T'es dans une, dans, dans, tu vis dans un tourbillon, tu as le quotidien qui prend le dessus. Mais là, j'ai vraiment appris à prendre du temps pour moi. Je m'octroyais tous les jours, entre 1 heure et 1 heure et quart, de ben, je coupe la télé, je coupe le portable et me mettre au calme pour moi. Salut, ciao. Révélateur de bonne humeur. Bonsoir, la sonde. Cache pas ta joie. Ciao. T'as marqué que tu devais partir 3 mois en vacances, en voyage, c'est ça? Oui. C'est pas exactement la même chose, mais là, je devrais être au Laos. J'avais prévu un voyage aussi qui était annulé, du coup. Bah, du coup, c'était un voyage intérieur, quoi, de toute Oui, ben voilà, mais moi, c'est exactement ça. C'était l'occasion de me retrouver et de prendre plus de temps pour moi que si j'avais été en voyage, en fait. Et moi, je me dis que je me suis pas du tout mis la pression, quoi. J'ai vraiment fait des grosses grasses mat. Du coup, le temps, je t'avoue, est quand même passé assez rapidement. Enfin, il y a rapidement plus trop eu de notion de temps. On va tellement vite. On va tellement vite tout le temps que ce ralentissement, moi, m'a fait du bien. C'était vraiment difficile. Je ne voyais pas mes journées passer. Parce que tu sais, j'ai un peu mes journées rythmées. Je sais que le matin, je fais du sport. Après, je travaille un peu sur mon projet Citamove. Je contacte. Et là, en fait, rien n'avançait. Donc, je culpabilise un peu parce que je me dis, c'était. Parce que souvent, on se plaint qu'on n'a pas le temps. Et là, tu vois, on avait énormément de temps. On avait énormément de temps, donc je pouvais faire énormément de choses. Ça pouvait être lire des livres, apprendre, tu vois, apprendre une nouvelle compétence, développer quelque chose. Mais j'ai appris des choses, j'ai appris. Mais je pense que peut-être en un mois, je pouvais faire plus. Je me plaignais tout le temps de ne pas avoir le temps de faire des choses. Là, je l'ai. J'ai eu le temps d'écrire, j'ai eu le temps de faire plein de choses que j'avais pas le temps de faire avant. Prendre le temps de regarder les autres, prendre le temps de dire bonjour au voisin, de lui descendre sa poubelle parce qu'il est vieux et qu'il peut pas le faire. Enfin, toutes ces choses-là, quoi, tu vois. D'avoir le temps de faire des choses simples et de vraiment y passer du temps, quoi. De pas, genre, typiquement, quand je cuisine, je suis toujours du genre à enlever 10 minutes de cuisson, à me dire non, mais pas besoin que ça repose au frais, machin, etc. Bah là, de prendre le temps de faire une recette, genre complètement, etc. Et je pensais vachement aux personnes âgées, je trouve, enfin, notamment dans mon entourage, j'ai des gens qui sont hyper, qui ont une vie, mais genre ultra calme, hyper chronométrée. Je pense que genre le confinement, ça n'a pas changé grand-chose pour eux, à part quand ils allaient faire des courses, tu vois, mais qui ont vraiment une vie, genre, super calme et je les aime trop, tu vois, j'aime trop aller chez eux ou passer du temps avec eux, etc. Mais en fait, j'ai un peu retrouvé ça, appris ça, quoi. Le fait que, bah, avoir une routine, avoir une vie calme et tout, c'est pas forcément mal et c'est pas forcément chiant. Mais c'est bien de revenir à l'essentiel, tu vois. Là, on avait eu l'Institut d'engagement, la conférence, et il y avait Marie, c'est ça, hein, celle que tu avais interviewée. Elle nous a parlé de Kant. Moi, la philo, pour te dire, j'ai fait bac pro et BTS, alors comment te dire que la philo, moi, j'en ai jamais fait. Là, je me suis dit, mais attends, on nous parle de Kant. Et puis, alors, du coup, bah, tu te dis, je vais acheter Kant. Après, je t'avoue que le confinement a amené plein de phases de réflexion un peu intenses. Et du coup, j'ai un peu vu l'évolution de mon introspection et j'ai l'impression que je suis passée par plein, plein de phases vraiment plein d'émotions et plein d'états d'âme qui étaient un peu lourds des fois quand même. Hyper nécessaires et bénéfiques, je pense, pour la suite après. Mais un peu lourdos. J'ai appris à me retrouver avec moi-même, à faire de la méditation, chose que je ne. En temps normal, je ne savais même pas ce que c'était de me poser, de me retrouver. C'est une remise en question, parce que tu sais, se retrouver avec soi-même, parfois, ça peut faire peur, ça peut déstabiliser, et il faut que tu te rendes à l'évidence et être face à toi, face à ton miroir, et te dire, ben waouh! Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vécu le confinement avec plus de temps pour soi, etc. Nous, ça n'a pas été trop le cas parce qu'on était vraiment en mode H24. Mais quand même, j'ai pris du temps pour faire de la méditation, par exemple, tu vois, et du yoga. Chose que j'ai toujours voulu faire sans prendre le temps, on va dire.
Et là, j'ai commencé à mettre ça en place et c'est vrai que ça m'a fait vraiment du bien. Juste de faire aussi des choses pour soi, c'est cool, quoi. Et puis, genre, pas dire forcément oui à des choses qu'on n'a pas envie de faire. Le fait d'être tout seul, ça laissait le temps après de réfléchir parfois à pourquoi on avait dit ça de telle manière ou pourquoi on réagit à tel événement ou telle discussion avec d'autres personnes. Mais en fait, il n'y avait plus à répondre à des injonctions. Il n'y avait plus non plus ce regard de l'autre qui parfois dénonce, qui provoque, voilà. C'était entre soi et soi. Enfin, il vaut mieux apprendre à s'aimer parce que tu es tout seul et tu peux pas forcément avoir du bonheur qui vient des autres ou des interactions qui vont te rendre joyeuse, etc., physiquement. Donc, quand on est dans une vie très active, on se force parfois pour se poser, alors que là, c'était plutôt aligné avec avec la journée. Enfin, on avait forcément plus le temps de s'écouter. Aller à ton rythme, quoi. Ne plus finalement devoir aller au rythme que la société t'impose. Et c'est vrai que moi, cette pause là dans la vie, ça m'a fait un bien, mais un bien fou, quoi. Ouais. dans cette vie qui va super vite, et ben d'avoir une pause comme ça au milieu, ça m'a fait vraiment du bien, et du bien à moi, et je pense à mes enfants aussi. Alors, j'ai vécu ça comme une espèce de repos du mental, en fait, hein. Comme un repos de... En fait, il n'y avait plus qu'à s'occuper que de sa sphère intime, voilà, familiale, et de soi. Le confifi, hey, le confifi. Le bilan du confinement positif fait par Alice, cache pas ta joie. Le bilan du confinement positif, le confifi, le confifi positif.